Parfois, elle est revenue. Bonjour à toutes. On est le jeudi 25 février. Voilà. Alors, je reviens de course de chez Lidl. Vous voyez, j'ai une petite note. J'ai pas non plus une note excessive. Parce que comme je vais recevoir mon tout par gel mardi, j'ai dit, je vais pas en faire de trop. Mais enfin, il me manquait quand même parce que j'ai vidé tout mon congélateur. J'ai plus rien dans mon frigo. J'ai plus rien. Enfin, si, j'ai encore quelques conserves. Mais pour aller jusqu'à mardi, ça va être juste. Donc j'ai dit, bon, allez, j'allais faire un petit tour à Lidl, ça va me sortir. Et je vais vous faire mon petit retour de course. Hein, parce qu'en ce moment, j'ai pas grand-chose à vous montrer en tricot. Parce que, bon, c'est toujours les mêmes petites choses, des petites robes, des petits pulls. Je vous montrerai ça une fois que c'est fini. Je vous les montrerai tous en bloc, quoi. Voilà. Donc là, je vais vous faire mon petit retour de course Lidl. Bon, si ça vous intéresse pas, ben... Bon, je sais qu'il y en a qui aiment bien voir mes retours de course, donc c'est pour ça que je le fais. Voilà. Donc, je commence. J'ai pris une baguette. J'ai 3 sacs de terreau aussi dans ma voiture que j'ai pris au cas... je prévois, comme il y en avait du terreau à Lidl, et il n'est pas cher, il est à 1,39 le sac de 20 litres. J'en ai pris 3. Déjà, pour empoter quelques petites fleurs dehors et tout ça, je prévois... Je vais sûrement racheter des petites fleurs et puis refaire des... Parce que j'ai des pots qui sont vraiment... Les fleurs, ça vaut plus rien, c'est tout abîmé. Donc, je vais voir. Mais pour l'instant, je ne fais pas de jardinage. Hein. J'ai prévu, j'ai pris mon terreau. Mais après, on verra. Il faut vraiment que... Alors, je me suis pris... Alors, je vais... Des crevettes, comme d'habitude, à chaque fois que je vais chez Lidl, je me prends des crevettes parce qu'elles sont super bonnes. Par contre, je fais attention parce qu'il y a crevettes et gambas qui sont dans le même bac et c'est pas du tout le même prix. Les crevettes, alors je ne sais pas si je vais avoir le temps de vous trouver les prix. Hein. Si je trouve, je vous les donne. Sinon, les crevettes, elles sont à 4,99 les 500 grammes. Voilà. Donc, je me suis pris ça. Ça, je vous montrerai ça après. J'ai pris ça, je vais sûrement mettre ça dans le colis de ma petite fille, des crêpes au chocolat. Parce que je n'ai toujours pas envoyé son colis, donc je prévois de lui envoyer quelques petites choses, des petits trucs qu'elle peut manger, des crêpes au chocolat, je sais pas, ouais, crêpes au chocolat, 1,29. Ça, c'est pour moi le matin, je me suis pris des petits pains grillés complets, c'est même pas un euro, ça, je crois, c'est des petits pains complets... Je ne sais pas si je vais vous chercher tous les prix, hein, parce que... Déjà là, je ne le trouve pas, mais je sais que c'est pas cher. Bon, bah écoutez, je ne sais pas. Des grillés. Bon, si je le vois, je vous le dirai. Si... Non, je ne vois pas. Petit pain grillé, Jean-Pierre... Enfin bon, j'ai des petits pains grillés pour le matin. Je me suis pris une douzaine d'œufs parce que j'en mange pas souvent des œufs. Donc j'ai dit, tiens, ça peut faire une petite omelette, tout ça. Alors c'est pareil, les œufs, ils n'étaient pas chers non plus. Enfin, je trouve que c'est pas trop cher chez Lidl, ça va. Mais bon, je vais pas vous chercher les prix parce que ça va être trop long dans ma vidéo. Œufs par 12, 1,62 les 12. Voilà. Je me suis pris 2 petits paquets de radis. Alors, le deuxième, je ne sais pas où il est. Les petits paquets de radis, tout épluché. Les radis, tout épluché, c'est pas cher. C'est pas cher non plus. Enfin, pas cher. C'est 99 centimes le petit paquet de... Combien il y a de grammes là-dedans? Je sais pas trop. Enfin, il y a la valeur d'une botte. Hein. Il y a la valeur d'une botte. Mais j'en ai pris 2 de toute façon. J'en ai pris 2. Je vais le retrouver après parce que j'ai une sale manie, c'est de pas prendre de sac quand je sors du, quand je suis dans le magasin. Et après, je mets tout en vrac dans mon sac, dans la voiture. Sauce vinaigrette parce que bon, de temps en temps, j'aime bien faire une petite vinaigrette. Comme je me suis acheté, je crois, des tomates, je ne sais plus. Alors, ma petite sauce vinaigrette toute prête au vinaigre balsamique. Voilà, ma vinaigrette.
Elle est à 1,99. Comme ça, j'ai pas besoin de la faire. Je prends pas d'huile, je prends pas de vinaigre, je me fais ma vinaigrette. Des fois, alors j'ai trouvé aussi des petites. C'est des petits yaourts. C'est italien. Alors c'est. Alors là, c'est au mascarpone et au citron. Et j'en ai trouvé un autre. Alors là, je ne sais pas trop à quoi c'est. Ça doit être pareil, mais c'est à la noisette. Et ça, c'était, je crois, 49 centimes. Je ne suis pas sûre, mais je crois que c'est 49 centimes le petit pot. Yaourt, mascarpone. Oui, 49 centimes. Mascarpone, citron. Et l'autre, c'est yaourt, noisette. 49 centimes aussi. Ça fait un petit dessert. Ça n'a pas l'air d'être mal. C'est Italiamo. Et c'est pas Italiano, c'est Italiamo. Voilà. Ça. Alors après, je me suis pris des mini concombres. J'ai dit, tiens, c'est pas mal ça aussi, des petits mini concombres. Ça change d'aller à Leclerc ou. J'aime bien changer un petit peu les magasins. Alors des petits mini concombres comme ça. Des petits mini concombres. Poupou. Mini concombre 1,29, c'est pas mal. Il y en a 250 grammes. Voilà, ça pour se faire à croquer comme ça avec de la vinaigrette, c'est pas mal. Un petit dessert, pas trop mal, des petites framboises. Voilà, il y en a 125 grammes pour les petites framboises. Des petites framboises, des petites framboises. 1,79. Hein, ça fait un petit dessert. Alors ensuite, alors, quand j'ai vu ça, de l'andouille de Guéméné, j'ai dit, oh, il faut que je m'en achète, j'aime bien, ça fait longtemps que je mange. Par contre c'est très cher, j'en ai 212 grammes pour 4,24 €. C'est vrai que c'est cher, mais je vais essayer d'y aller doucement à manger ça, hein. Je vais essayer. Je me suis pris d'autres cabillauds. Voilà, sans peau et sans arête. Alors ça, le cabillaud, c'est oh bah je sais pas. Pour info, la baguette c'est 35 centimes. D'autres cabillauds, 3,48. J'ai deux filets, 200 grammes. Hein. Je me suis pris du jambon pour changer un petit peu. Comme je me suis pris aussi des endives, peut-être que je vais me faire des endives au jambon, mais j'ai oublié d'acheter du gruyère râpé, donc je vais faire autrement. Tout en parlant, ça me revient. Je vais me faire des endives au jambon, mais j'ai pas de gruyère râpé. Mais bon, c'est pas grave. Du jambon, le jambon. Oh, je vais arrêter de vous donner les prix parce que je trouve que ça fait long. Éponge, lait, vinaigrette, jambon, 2,22. Il y en a 4 tranches. Voilà. Je me suis pris aussi des petites acras de morue. Ça change un peu. Moi, je ne sais plus quoi me faire à manger. J'essaye de changer un petit peu, mais bon. Des acras de morue, je les ai vus tout à l'heure, mais je les vois plus. Acras de morue, 1,99. Il y en a 200 grammes. 1,99. Alors. Ah, zut. Bon, je vais sortir plusieurs choses. Je me suis pris des endives, comme je viens de vous dire, comme j'ai pris des jambons. Des endives. Les endives, bon, je vais arrêter de vous donner les prix parce que ça fait trop long ça. Jeune pousse d'endives 1,79. Alors c'est des pousses d'endives 1,79. C'est du Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Il y a 6 jeunes pousses et il y en a, je ne sais pas le poids. Je ne sais pas. Non. C'est pas grave, moi je me débrouille toujours avec ce que j'ai. Et hop, je me suis pris plusieurs petites compotes comme ça. Alors celle-ci, elle est à la pomme-poire. Je vous donnerai le prix après si je trouve. Je me suis pris de la petite rosette de Lyon comme ça. Alors, pomme-poire 0,79.
Je m'en suis pris un à la banane 0,69. Et je sais que j'ai pris un autre, mais je sais pas. Ils sont pas tous en même temps, alors c'est pas évident. Le saucisse, la rosette de Lyon. La rosette de Lyon. Bon, tant pis. Hop, ensuite. Ça, c'est pour envoyer à mes petites filles des mini fourrés au chocolat. Voilà, des mini fourrés au chocolat. C'est pareil, ça, c'est pas. Mini fourrés au chocolat. Ah. Bon, écoutez, les prix, hein, tant pis, on s'en fiche. Mini fourré au chocolat. Hein, les petits pains complets, c'est à 85 centimes que je vous ai montré au début, que je n'avais pas trouvé. Et je trouve après, mais bon. Le terreau, il est à 1,39, je l'ai dit. Alors, ça, je me suis pris aussi du museau. Vous savez, quand je vais chez Lidl, je prends toujours du museau comme ça. Voilà. Alors, le museau, c'est pareil. Je devrais faire des. Voilà. Rosette. Voilà. Quand je cherche un truc, rosette à 75. Le museau. Ben, je trouverai au prochain truc. Hein. La salade de museau, 2,29. Il y en a pas mal dedans. Ça me fait plusieurs fois. Alors ça, c'est pour ma petite fille. C'est des bonbons Arlequin. C'est pour mettre dans son colis. Ben oui, je vais lui faire un colis quand même. J'ai pas encore fini de lui acheter tout. La semaine prochaine, je vais retourner à Leclerc pour lui chercher ce que j'ai envie de lui acheter. Alors, les bonbons Arlequin, c'est 1,69. Ça, je vais lui mettre ça aussi. C'est des gros éclats chocolat et amandes. Voilà. Bon, ça, le prix, je vais pas chercher parce que c'est trop long. Hein. Je me suis pris du saumon sauce à l'oseille comme ça. Alors, saumon sauce à l'oseille, si je le trouve. Saumon sauce à l'oseille. Saumon 1,99. Donc ça va aussi ça. Hein. Hop, pour aller jusqu'à mardi, ça peut aller. Hein. Non mais ça va me faire plus longtemps. Ça, c'est pour ma petite fille, des petits Mikado. Je me suis pris des pamplemousses. Bon, je reverrai après si je peux voir les prix. Ça, c'est mon deuxième paquet de radis. Je me suis pris des. Petits crottins de cheval, j'en veux pour dire des crottins de cheval, hein. Des petits crottins de chèvre. Petits crottins de chèvre, je les ai vus tout à l'heure, mais. Les pamplemousses, c'est 1,99 les 3. Salade de museau, je vous ai dit, c'est 2,29. Les petits Mikado, c'est 1,19. Qu'est-ce que j'ai dit là, les petits crottins? Je les ai vus tout à l'heure, mais je les vois plus. Bon, moi je les verrai tout à l'heure. Ça, c'est pour ma petite fille aussi, ou pour moi peut-être. Pour le week-end, je peux me faire un petit. Hein. Je me suis pris des poires, 4 poires, comme ça, c'est 2,79. Alors, on va mettre ça par là. Hop. Alors, ça tout à l'heure, je vous ai dit, j'en avais pris à, je sais plus quoi, et là, c'est à la poire. Voilà, ça c'est mon deuxième crottin de chèvre. Ça, je me suis pris du thon, c'est du thon à l'huile de tournesol en morceaux. Je sais pas ce que je vais en faire, mais j'avais envie d'en manger. Comme j'ai pris des tomates, bon, ça c'est fini. Enfin, il me semble que j'ai pris des tomates, oui, il me semble. Alors, ça c'est après. Je me suis pris des éponges, pas trop intéressant. Je me suis repris, oui, de la compote aussi de rhubarbe. Alors, celle-là, ben, je ne l'ai même pas vue non plus dans mes. Je ne sais pas. J'ai une crème aux œufs qui va arriver qui est à 1 euro.
Voilà, elle est là. Qu'est-ce que j'ai pris? Ben, des tomates, du lait, ça je vais pas le sortir parce que c'est... Et pour Lidl, c'est tout. Donc, les pamplemousses, 1,99€. Qu'est-ce que j'ai vu? Bon, je vous ai donné. Les tomates, c'est 1,99€ aussi. Enfin, non, tout ça, j'en ai pour 70€. Hein. C'est pas... Ah, puis oui, voilà, j'ai trouvé aussi. Alors, je l'ai prise. J'ai dit, je sais pas, je vais sûrement faire un petit ensemble. Il y avait deux pelotes de laine comme ça, à chaussettes. Une pelote à chaussettes. Alors, il y en a une qui est unie. Et il y en a une qui doit faire des dessins, sûrement. Si vous regardez, quand vous voyez le... Ça va faire des dessins. Donc moi, je pensais faire un petit pull avec ça, et le petit pantalon et le bonnet avec ça. Je vais voir. Bon, c'est du coton, hein, ça a l'air d'être très fin, mais je me dis, pour faire un petit ensemble, ça peut le faire. Fil de coton pour chaussettes. Mais moi, je vais le faire, il y a 2 fois 100 grammes. Alors ça, je ne sais même pas combien c'est. Attendez, je vais les mettre avec les autres, là. Hop, pour l'instant. La laine. Combien qu'elle est ? Terreau, éponge, lait, vinaigrette, laine. Ah ouais, c'est quand même un peu cher. Il n'y avait pas le prix, j'ai pris, oui. Mais enfin bon, 5,99€ les deux plottes, ouais. Ça fait 3€ la plotte. Ouais. J'ai pris, il n'y avait pas le prix. J'ai dit, bon, bah, tant pis, hein, je prends. Bon ben voilà, c'est tout ce que j'ai pris à Lidl. Bon, en même temps, je voulais remercier Odile V, voilà, qui m'a envoyé une jolie carte. Voilà, une jolie carte comme ça, avec un gentil petit mot que je vais garder pour moi. Hein. Elle me remercie de toutes les vidéos que je fais, ça me fait super plaisir. Ben, j'essaye de vous faire des vidéos, hein. Vous êtes seul comme moi, il y en a beaucoup qui sont seuls comme moi. Et là, j'ai reçu un paquet, mais je ne me rappelle pas ce que c'est. Donc, je vais l'ouvrir avec vous. Un ciseau. Hop. On a un ciseau. Voilà. Combien j'ai de minutes encore? Ah, ben, il faut que je me dépêche. Qu'est-ce que c'est? Ah, bah oui, mais je sais pas si je vais vous montrer. Ok. Bah écoutez, je vais vous montrer quand même un, mais c'est pas du tout ce que j'ai commandé. Qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé? Je me suis commandé, vous savez, sur internet, des fois il y a des pubs. Bah, je vais vous montrer quand même. Hein. Des soutiens-gorge brassière. Enfin, je vais vous montrer. Je m'en suis commandé. Voilà. Je vais vous montrer vite fait comme ça. Voilà. Donc, ben, j'en ai une. La bleue, je ne l'avais pas commandée. Non, c'est une grise. Ah ben, bleu, c'est le paquet. Je m'en suis commandé une grise. Et en cadeau, j'ai eu une noire. Donc, ouais, je vais voir ce que ça donne. Enfin, bon, je vous les montre. Bon, je vous les montre, je pensais pas que c'était ça, mais enfin bon. Voilà, donc, alors, comme ça, vous voyez ce que je mets. Parce que les petites bretelles, tout ça, ça commence à me gêner. Donc, je me suis dit, avec, maintenant, je sais pas ce que ça vaut. C'est du léger quand même, hein. Si vous en commandez, c'est du léger, hein. Mais bon. Ah, il y a des... Ah ouais, d'accord. Ok. Bon, écoutez, hein. Je vous montre mes dessous. Oh, mais moi, je n'ai pas honte. Hein. Je vous montre ce que je mets. Ça ne me gêne pas, moi. Voilà. C'est pas mal, hein. Ouais, c'est mignon. Maintenant, est-ce que ça va tenir sur moi? Ça, c'est autre chose. Celui-là, il a l'air d'être mal placé. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Et ben, je sais pas où est ma... Ah ben oui, dans tout mon bazar. Ah ben voilà.
Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Je ne sais pas si je vous referai une vidéo, je verrai. Et puis, bah, à la prochaine. Bisous!